C'est une école de pensée, le socio-constructivisme, qui dit que l'élève construit ses connaissances et développe ses compétences par lui-même à l'usage. Donc, ça ne s'enseigne pas. C'est que dans le fond, comment je pourrais expliquer ça, c'est que tu mets des contextes, des choses comme ça, pour permettre à l'élève d'aller lui-même se construire. Donc, c'est un peu ça. Donc, en le mettant en relation avec les autres, mais c'est d'où la partie le socio-constructivisme. Et il y a comme une école de pensée en pédagogie, qui est le constructivisme, socio-constructivisme, mettons en opposition par rapport au behaviorisme. Mais ça, c'est des choses. Mais le renouveau pédagogique, malgré le nom, c'est des programmes. Puis, en mettant tout ça ensemble, ça l'a mené à une certaine confusion. Tu peux dire, par exemple, il y a des nouveaux programmes. Le programme, il vise à développer des habiletés à traiter des situations. On va donc mettre l'élève en situation, mais comment tu vas y enseigner, ça c'est à toi. Tu comprends? C'est là la différence. À ce moment-là, tu ne remets pas en cause ta compétence. Puis pour moi, ça fait une grosse différence. Le nom, déjà en partant, renouveau pédagogique, ou au départ c'était réforme pédagogique. Avec les problèmes de marketing qu'ils ont eu, ils ont changé pour renouveau pédagogique, mais ce qui accrochait, c'était peut-être pas le mot réforme ou renouveau, c'était peut-être plus le mot pédagogique. Parce que justement, tu allais travailler tu allais jouer dans la compétence des enseignants. On a plus ou moins confiance, ça donnait comme cette image-là, je pense pas que c'était ça qui était voulu, mais ce que ça donnait comme image, c'est on a plus ou moins confiance dans votre pédagogie, donc on va vous dire comment enseigner. Puis ça, je pense que ça l'a bloqué. Puis moi, je pense que quand tu vas voir des enseignants, puis tu leur dis tout simplement, c'est un nouveau programme, je te les présente, regarde. Puis quand on regarde dans les programmes, il y a une page qui s'appelle les attentes de fin de cours dans les programmes. Ce que ça dit, c'est qu'est-ce que l'élève doit savoir au terme du cours. Puis en définitive, c'est ça qui transparaît à l'examen aussi. Ça ne dit pas les attentes de fin de cours. Comment tu dois enseigner à l'élève? Ça ne dit pas non plus comment il doit apprendre. Ce que ça dit, c'est qu'est-ce qu'il doit savoir au terme du cours. Le prof doit trouver la manière la plus efficace possible, puis donnons-lui cette responsabilité-là. Donc, ça dépend de ta structure scolaire, puis ça dépend des élèves. Il y en a qui vont, toi-même, nous-mêmes, on apprend des fois mieux par la télévision, par l'ordinateur, par la radio, en discutant avec quelqu'un, par la lecture. Il y a des médiums qui vont plus nous convenir que d'autres. Ça dépend de l'élève. Mais ça, c'est complètement différent de ce que tu apprends. Ce que tu apprends, c'est le programme. Donc, pour moi, on aurait dû dissocier les deux. C'est de ramener ça sur des programmes d'études, de ramener les enseignants sur les programmes, dire ce qui est écrit, c'est là, c'est ce que l'élève doit être capable de faire, et puis on vous fait suffisamment confiance pour que vous trouviez la meilleure façon. À la limite, on va vous aider. Notre rôle de conseiller pédagogique, c'est de supporter, de conseiller les enseignants, donc de leur dire, ben, peut-être que ça pourrait fonctionner, une chose comme ça, mais on n'a pas à imposer des méthodes pédagogiques. Il ne faut pas oublier une chose, hein, ce qui a mené à tout ce qui est le renouveau pédagogique, l'énoncé de politique qui est à la base de tout ce branle-bas-là, s'appelait l'école, tout un programme. Ça définit, je pense, pas mal plus la nature du chantier que quand on a une dénomination comme renouveau pédagogique, tout ça. Bonjour, je m'appelle Daniel Lalande, je suis conseiller pédagogique à la Commission scolaire de la Seigneurie des Méniles et je vous présente mon milieu de travail situé au 430 Arthur Sauvé à Saint-Eustache.